Bonjour à toutes et à tous. Au cours de deux précédents reportages, vous avez pu voir sur Foot TV le forum wallonipoker.net ainsi que la présentation de sa team. À partir d'aujourd'hui, je vous emmène pour un tour de Wallonie où vous allez pouvoir découvrir les membres de cette team dans un cadre plus privé. Notre première étape s'arrête à Gosselies où nous allons rencontrer Monsieur Pierre Salm, alias Pitt, actuel leader du ranking poker des casinos de Namur et de Spa. C'est parti, on y va. Full TV, come on Pitt, come on Pitt. Je me présente, Pierre Salm, alias Pitt, j'ai 36 ans, j'habite la région de Gosselies, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis courtier de crédit et d'assurance. J'ai découvert le poker tout bêtement en faisant des pronostics de foot. Je suis allé chez un ami qui joue au poker et je lui ai dit « Mais enfin, c'est pas normal, tu vas perdre de l'argent en jouant au poker. » Et depuis, c'est moi qui lui donne des conseils et qui l'aide un peu à jouer au poker. Il y aura exactement un an, lorsque le championnat de Belgique de poker va commencer, que je joue en live au poker. Mon objectif au poker est d'un jour pouvoir mettre au poignet un bracelet. Je pense que c'est ce que tout le monde rêve. Mais c'est mon objectif, c'est pouvoir avoir un bracelet un jour au poignet. À cette question, on peut pas vivre du poker en Belgique? Je vais dire que oui, parce que personnellement, ayant mon entreprise et le poker sur le côté, je pourrais aujourd'hui dire que j'ai constitué une bankroll, mais qu'il faut avoir la tête sur les épaules pour pouvoir gérer. Mais je peux répondre que oui, il est possible d'en vivre du poker en Belgique. Ayant vécu que le casino de Namur avec le poker actuellement, pour moi le niveau du poker est très bas comparativement à ce que j'ai vécu à Vegas. Mais malheureusement je n'ai comme référence que Namur, donc pour moi actuellement, comme élément comparatif, je ne peux prendre que Namur encore une fois, mais pour moi le poker est très bas en Belgique. Mes meilleurs résultats, actuellement je suis leader au niveau du ranking à Namur. J'ai aussi un très bon souvenir grâce au casino de Namur, j'ai eu la chance de partir à Vegas, qui est devenu mon pire souvenir puisque j'ai été mineur au deuxième level avec un monstre en main. Et mon plus beau souvenir est mon départ pour les Bahamas qui se fera en janvier 2009. Alors, le poker est-il un jeu de hasard? Eh bien, pas du tout. À ce que tout le monde va dire, ce que tout le monde comprend, pour moi, le poker n'est pas un jeu de hasard, mais un jeu de stratégie, qui est très important. Il est clair qu'il y a une partie de chance au poker, mais lorsque vous avez un minimum de stratégie et un minimum de connaissances, ça ne devient plus du hasard. Les qualités pour moi d'un bon joueur de poker, la première chose, il est très attentif à cette table, d'être très concentré et de faire attention à tout. Tout ça, mis dans un même panier, va permettre pour moi à un bon joueur de prendre les bonnes décisions à tout moment. Mon ami Patrice Libert m'a fait découvrir Wallonie Poker, donc ce forum, que j'ai trouvé bien au départ, mais je ne me voyais pas dans ce forum, donc j'étais un peu déçu au départ de ne pas faire partie de ce forum. Et puis je me suis inscrit et je remercie encore Patrice de m'avoir fait connaître Wallonie Poker. J'ai accepté de faire partie de la team Wallonie Poker et j'en suis très fier parce que j'ai besoin absolument d'être entouré à l'heure actuelle au niveau du poker et j'ai besoin de conseils de gens qui jouent depuis plus longtemps que moi et j'ai besoin d'être parce que je pense que mon poker va encore évoluer ce jour. Je trouve très bien ce concept de team parce que pour moi personnellement ça va m'aider et si moi un jour je peux aussi aider quelqu'un de la team, ça me fera vraiment plaisir, je trouve ce concept très très bien. Ça nous encourage, ça nous soutient, ça nous donne ce plus que les autres qui jouent seuls n'ont pas. Hey, come on Pete, tu vois ce coup? Tu vois ce coup? Ça c'est Wallonie Poker. Tu connais Wallonie Poker? Tu vas connaître bientôt Wallonie Poker. Come on Pete, come on!